Salut les mecs, c'est Ben, comment ça va? Moi ça va super en tout cas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo astuce. Parce qu'il y a la Saint-Patrick qui arrive très bientôt. Et donc il y a moyen de se faire pas mal de bénéfices. Et comme je vois que les prix des Irlandais commencent à exploser déjà, je voulais vous faire cette vidéo. Qu'est-ce que c'est la Saint-Patrick en fait? C'est EA qui sort une coupe spéciale. Où on peut jouer qu'avec des Irlandais. Donc les prix de ces joueurs explosent littéralement. Et donc du coup, il y a moyen de se faire beaucoup beaucoup de bénéfices. Vous voyez que j'ai déjà une pile remplie d'Irlandais quasiment. Et donc si vous les achetez, vous pouvez viser 5 000, 6 000, voire 10 000 de bénéfices par joueur. Et imaginez si vous avez une pile à 100 joueurs, les mecs, ça fait 1 million de crédits de bénéfices. C'est énorme, c'est quasiment plus que ce que vous pouvez vous faire pendant la totie. Donc c'est une des périodes d'achat très 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 importantes où vous pouvez vous faire beaucoup de bénéfices. Vous voyez que j'ai acheté des McGeady parce qu'il a 5 étoiles de geste technique, 89 de vitesse, il joue sur le côté droit. Je les ai achetés à peu près pour 4 000 crédits. J'ai aussi acheté des longues. Les longues pour environ 3 000 crédits. Et voilà, parce qu'en fait, je vous explique pourquoi. C'est un des seuls BU. Il a 84 de vitesse, 70 de tir, donc c'est pas mal. Il existe aussi en boost, mais le boost est vraiment déjà super cher. J'ai aussi acheté des Coleman pour à peu près 2 000-3 000 crédits. Et enfin des Given, parce que c'est l'un des seuls goals irlandais qui est pas mal. Et vous voyez que j'ai quand même acheté pour 10 000 crédits. C'est un investissement, mais vous inquiétez pas. Je pense que, enfin, je suis sûr même que tous ces joueurs-là vont monter. Et voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter parce que c'est là où je suis le plus actif. Je vous dirai quand revendre, quand les prix sont au plus haut. Je vous dis aussi quand est-ce que j'investis pour mon road to Zlatan. D'ailleurs, l'épisode 2 sortira très bientôt. J'ai juste eu quelques problèmes, mais vous inquiétez pas, il sortira très bientôt. Voilà les mecs, j'espère que cette petite astuce pourra vous aider. N'oubliez pas surtout, si vous comptez investir, investissez dès maintenant parce que les prix ont déjà beaucoup augmenté. Ne vous inquiétez pas, si vous investissez maintenant, vous pouvez revendre avec du bénéfice. Mais il faut investir maintenant tout de suite. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a aidé, à partager la vidéo et à vous abonner, ça ferait super plaisir. C'était Ben, ciao les gars.